oubliez ça. C'est encore Vincent tout ça? Ouais, c'est un peu grand pour David. T'as trouvé ça où? Oh, un peu partout. Dans la salle de bain, dans le placard à balai, sous le lit, sous le bureau. Je comprends pourquoi il faut que je lui achète une paire de chaussettes par semaine. Il se moque de moi. Oh, tu sais, à la maison, c'était pareil avec mes frères. On en laissait traîner partout. Une vraie famille de mille pattes. Oui, et ben il va m'entendre, mon mille pattes. Salut. Bah, t'es déjà rentré? Oui, tu vois bien. Ta réunion importante ce matin au bureau est déjà finie? Oui, fini. Complètement fini. J'ai trouvé 23 paires de chaussures. Ma Fanny, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'avais pas une réunion? Je sais, je sais. J'avais une réunion très importante ce matin au bureau. C'est fini. Fini, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis nommée directrice de la prospective. Directrice de la prospective? Mais c'est génial ça! Bravo ma chérie! Dis donc, petite cachotière, tu nous avais caché ça? Je m'en doutais pas, figure-toi. Taratata, tu nous feras pas croire ça. Bravo Fanny! Je savais que tu ferais une brillante carrière. Alors, comment ça s'est passé? Bien, je suis arrivée ce matin, j'ai été convoquée par mon directeur. Il m'a gentiment annoncé la nouvelle. Ma petite Fanny, on a décidé de vous nommer directrice de la prospective. Eh ben alors, pourquoi tu fais cette tête-là? C'est le choc, faut qu'elle s'habitue. Mais vous vous rendez pas compte? Mais ça veut rien dire, directrice de la prospective. Comment ça, ça veut rien dire? Plutôt si, oui. Ça veut dire une chose très claire. Que je suis au placard. Au placard? Qu'est-ce que tu racontes? La vérité. Mes croquis n'intéressent plus personne. Comme ils savent pas quoi faire de moi, bah, ils ont créé un poste bidon. Pour une femme finie. Une femme finie? Mais t'es dans la force de l'âge? Écoutez, les filles, j'ai pas envie de me faire d'illusions. J'étais à un tournant de ma carrière, je viens de le prendre, j'ai fait un tonneau. Aujourd'hui, la prospective... Le temps qui s'habitue a pu me voir. Et puis dans quelques mois, le chômage. Ah bon? Ça mène au chômage, la prospective? Ah oui. Ils ont fait exactement la même chose à La Chaise l'année dernière. Exactement le même schéma. Ils l'ont d'abord nommé directeur des produits finis. Puis après, 6 mois plus tard, ils ont supprimé le poste. Ah oh, mais c'est du boulot, c'est pas la vie. Mais vous vous rendez pas compte que ma vie aussi, elle est finie. Je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai quitté mon mari, et puis voilà, maintenant c'est fini. Tu penses pas sérieusement ce que tu dis là? Bah, si, Claire, faut être lucide. C'est normal, tu sais, c'est le sort de la plupart des femmes à l'approche de la cinquantaine. Enfin, t'as même pas 40 ans. Et alors? Entre 40 et 50 ans, qu'est-ce qu'il y a, je vous le demande? Poignée de semaines, c'est tout. Non. Et fille, j'ai bien analysé la situation. J'ai atteint l'âge où je n'intéresse plus personne. Ni mon employeur, ni les hommes, ni personne. Mais c'est pas vrai, t'as un succès fou. Ah oui. Non mais... Qui m'a draguée depuis que j'ai quitté Patrick? Hein? Personne! Oh, n'exagère pas! Ah oui? Qui? Bah, tu te souviens pas, il y a 2-3 jours, Bernard. Bernard, tu nous as même dit que c'était l'homme de ta vie. Bernard? Oui, mais je l'ai jamais revu, Bernard. Bah, évidemment! Tu l'as laissé tomber comme une vieille chaussette au club de gym. Tout ça parce que Gérard t'a raconté des trucs incroyables sur Daniel. Peut-être. Mais il m'a même pas rappelé. Salut. Ah, salut Marc. Ça va? T'as bien dormi? Pourquoi tu me demandes ça? Mais je sais pas, comme ça. Ah, c'est un reproche. Je me lève trop tard, c'est ça? Mais non, Marc, je disais ça juste comme ça. Ah, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est pour ça que je me lève tard ce matin, c'est tout. Ah. Quoi, ah? Ce qui t'intéresse, c'est savoir à quelle heure je me lève pour préparer le café. Hein?
ce que tu racontes. Il y a du café au chaud dans la cuisine. Alors pourquoi tu me demandes pas pourquoi j'ai mal dormi? Ok, si tu veux. Pourquoi t'as mal dormi? J'ai rêvé de Magali toute la nuit. Mais si t'as rêvé, c'est que t'as dormi. Et rêver de Magali, c'est quand même agréable. Oh, pauvre Daniel, tu comprends rien. C'est marrant, comme vous, les anglo-saxons, vous êtes toujours premier degré. Hein. Aucune sensibilité. Ah oui, et c'est quoi le second degré? Le nom de Magali, hein. Gravé en lettres de feu, là. Magali. Quand tu veux que je dorme, moi, avec toute cette lumière? En tout cas, Daniel, c'est sûr. Magali, je l'aime. Magali, c'est la femme de ma vie. Que tu crois pas que tu t'emballes un peu vite, hein? Elle est mariée, hein? Et alors? Est-ce que tu peux être rabat-joie? Moi, je la comprends, Cindy. Toujours prudent, jamais t'emballer. La seule solution qu'elle a eue, c'est s'enfuir. Excuse-moi, Marc, mais Cindy n'a rien à voir. Elle m'a quitté parce qu'elle a rencontré un autre mec. Hein? Et si ça t'ennuie pas, je préfère qu'on parle d'autre chose. Ouais. En tout cas, moi, ce qui m'ennuie, c'est de voir que si ça continue comme ça, tu vas finir vieux garçon. C'est quoi ce truc, là? Tu es mis à la poupée, maintenant? Non, non. Je prépare une maquette pour Madame Vimarini. Ah oui. La déesse de la serpillière, là. C'est ça. Et fais attention, parce que c'est très fragile, OK? C'est en carton? Et la serpillière, tu la mets où? Ouais, je vais la fixer au-dessus, hein, comme un drap magique, hein, qui plane au-dessus et qui protège le logis, tu comprends? Ouais, génial. Hein. C'est quoi ce délire? C'est une idée de Madame Vimarini. C'est le client. Ça, je m'en suis douté. Hein. J'espère qu'elle paie bien, au moins. Oui. En tout cas, Magali. Magali, c'est magnifique comme prénom. Tu vois, notre force à nous, les Latins, en dehors de nos performances, c'est notre enthousiasme. Et ça, les filles, ça les fait craquer. Ah oui. Ah ouais. Nous, qu'on aime, on le dit. On le crie. On le sent. On le vit. D'ailleurs, je le crie. Magali, je t'aime. Marc! Excuse-moi. Excuse-moi? Non, mais c'était un peu de colle, je vais le réparer. Hein, je... Non, mais ça va pas? Ça représente des heures de travail, ce que tu viens de détruire, là. Oui, enfin, elle paie bien, t'as dit. Hein. Oui, elle paie bien, mais qu'est-ce que je vais faire, maintenant? Je sais pas. Ah, je peux pas présenter ça. Ben, t'as qu'à dire que c'est ce qui arrive quand on n'a pas la serpillière Vimarini. Où tu vas? Mais devine. Je vais chercher du carton pour réparer. Non, mais attends, Daniel. Je voulais pas te le dire, mais cette idée de maison de poupée, c'est nul. Hein. Viens, on va prendre un café, je vais te parler de moi et de Magali. Voyons. Quel caractère. C'est marrant, les anglo-saxons, mais alors, pas romantique pour deux. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, c'est pas vrai. Et toi, tu lui as répondu quoi? Oh, bah, t'as bien fait, non, parce qu'elle mérite que ça, cette pétasse. Non, mais t'as bien fait, bien sûr. Bah, t'as une petite seconde. Bonjour, les filles. Salut, Gérard. Tu as vu Fanny? Oui, elle est là-bas. Merci. Vous voulez vos serviettes? Non, non, pas tout de suite. On va d'abord lui parler. Ah, bah, comme vous voulez. Mais excuse-moi, mes chéris, non, mais alors ici, tu sais, c'est les travaux forcés. J'ai pas une seconde à moi. Non, on était où, nous? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, bah, tu sais qu'il m'est arrivé un petit peu la même chose? Oui, 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 oui. Oui. Alors, tu sais ce qu'il m'a dit? Non, mais attends. Est-ce que tu t'es regardé qu'il me fait comme ça, tu sais? Oh, je te jure, à moi. Ah oui, un monde, oui, oui. Fanny, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Je mange. T'es folle, ton régime. Mon régime. Mais un régime, pourquoi? Pour qui? Mais enfin. Mais à quoi bon souffrir? À quoi bon se priver pour un tour de taille si on n'a personne pour l'admirer? Non, les filles, c'est décidé. Je mange. Je finirai grosse et adipeuse, énorme. Ça débordera partout, mais j'aurais pas de regrets, j'aurais mangé. Ne gâche pas tout, tu es superbe. Enfin, tous les hommes de la création sont à tes pieds.
Ah oui. Alors, comment expliques-tu que je viens de passer une demi-heure au bord de la piscine pour tester mon sex appeal avant de manger la première glace et qu'aucun homme ne m'ait regardé, mais ne serait-ce qu'un quart de seconde? Oui, mais enfin, aujourd'hui, il n'y a que les copains de Gérard. Oui, bon, ben, tout à l'heure, il y en avait d'autres. Bon, allez. Tu arrêtes une glace, s'il te plaît. Tu viens, on va aller faire du sport toutes les trois, ça va nous faire du bien. Allez, debout. Non. Allez-y, moi, je reste ici. Profitez de votre jeunesse, les filles. Je vous regarde. J'ai 6 mois de plus que toi. Tu dis n'importe quoi, tu dis des bêtises. Bah, c'est la preuve que l'âge, ça ne veut rien dire, voilà. Tu n'es pas encore en voie de garage, toi. Tu peux encore plaire. Fanny, ma chérie, es-tu capable de garder un secret? Bien sûr. Tu sais, quand on n'intéresse plus personne, c'est facile de garder un secret. Bon, tu promets. Tu ne répéteras rien à Marc. Marc, Marc, le voisin? Oui, oui, le voisin de palier, là. Bah, non, je dirai rien. Bon. Eh ben voilà. Il est fou amoureux de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il t'aime, il t'aime. Tu peux pas savoir. Comment vous le savez? Il en pouvait plus. Alors il s'est confié à Gérard. Quand on confie quelque chose à Gérard... Mais comment ça, il en pouvait plus? Eh oui, il est obsédé par toi. Nuit et jour, il pense à toi. Il est hanté. Oh, le pauvre. C'est vrai? Oui. Oui, on se demandait même comment on allait te le dire. Eh ben voilà, c'est fait. Non mais attendez, il y a quelque chose que je comprends pas, là. D'habitude, c'est après toi qui cours tout le temps, Magali. Ah oui, mais ça, c'est pour se donner des airs, tu comprends? Parce que tu l'intimides beaucoup. Ah bon? Vous croyez? Ah oui. Tu connais les hommes quand ils sont amoureux. Marc, ça alors? Bon. Je vais aller faire un petit peu de vélo, moi, pour éliminer la glace. C'est trop bête de se laisser aller, non? Vas-y, vas-y, je vous rejoins. Mais où tu vas? Eh ben, je vais prévenir Gérard, qui nous a dit que Marc était amoureux de Fanny. Oh, mon petit Daniel, vous avez fait un travail formidable. Non, mais c'est vrai, c'est... Cette serpillière là qui enveloppe la maison comme un voile protecteur. Oh, quelle merveilleuse idée. Merci, madame Vimarinet. Venant de vous, ça me touche beaucoup. Écoutez, ça a quand même plus d'allure qu'une femme à moitié nue là, qui passait la serpillière. Oui. Et je crois que ça sera très efficace comme affiche. Oh, et vous avez construit tout ça rien que pour moi. Enfin, c'est mon métier, hein. Une partie de mon métier. Ah, vous êtes vraiment modeste, petit Daniel. Non, je veux dire que ça m'émeuse. Non, mais c'est vrai, ça. Un homme qui bâtit une maison de ses propres mains, ça. Rien que pour moi, c'est... Oui, mais ce n'est qu'une maison de poupée. Oh, vous voulez dire que je suis une poupée? Non, pas du tout. Je voulais dire, c'est que... Non, c'est pas grand-chose, c'est ça. C'est pas grand-chose et il faut juste un peu de patience, c'est tout. Ah, vous avez vraiment des mains magiques. Montrez-les-moi. Oh, qu'elles sont belles. Oh, qu'elles sont belles. Mais vous verriez celles de mon mari. Non, mais c'est vrai, ces petits doigts boudinés, là, comme ça. Là, c'est vrai, non, mais c'est pas un hasard s'il peut pas planter un clou. Votre pauvre ami est là. Eh oui. Mais c'est la chère madame Vimarinet. Alors, comment elle va? Elle va bien, merci, elle va bien. Et comment elle trouve? Oh, je trouve ça sublime. Bah, ça m'étonne pas. Vous savez qu'il a mis au moins 6 heures pour faire ça. 6 heures? Bah, Marc aime exagérer, toujours. Non, 3 ou 4. 3 ou 4 heures? Et le pouce, oui. Il parle pas des corrections, là. Oui. Marc, je m'excuse, mais... Tu ne pourrais pas aller lire dans ta chambre ou quelque chose, hein? Parce que madame Vimarinet et moi, on a encore du travail. C'est pas possible. Ma chambre, elle est hantée. Je peux plus rentrer dedans, moi. Je vois Magali, 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 partout. Magali, vous avez dit Magali? Ah oui, pourquoi? Mais parce que Magali, c'est moi.
Magali, c'est toi? Oui, c'est mon petit nom. Je m'appelle Magali Villemarinet. C'est amusant, non? Vous vous appelez Magali? Oui. Pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Parce que vous n'avez pas une tête à vous appeler Magali. Mais je vous assure que je m'appelle Magali. Je te dis que c'est pas possible. Magali, il n'y en a qu'une, une seule. Elle est unique. Marc, s'il te plaît. Non, mais laissez-moi faire, mon petit Daniel. J'ai l'habitude de tous ces symptômes qui veulent tout voir pour croire. Je vous dis que je m'appelle Magali, là. Parce que vous pouvez être contrariant. Tenez, regardez. Magali Villemarinet. Enfin, ça, ça veut rien dire. Parce qu'à notre époque, n'importe quelle andouille peut prendre un pseudonyme. Marc. Et la date de naissance? Ah, c'est marrant. J'aurais cru plus vieille, moi. Comment ça, plus vieille? Mais parce que vous, en plus, vous avez lu ma date de naissance, espèce de goujat. Je peux rien, c'est écrit dessus. Madame Villemarinet. Mais enfin, je m'appelle Magali. Voilà, c'est un prénom que mes parents ont choisi avec amour. Là, voilà. Et même sous la torture, je ne renoncerai pas à m'appeler Magali. Voilà. Bien sûr, Madame Villemarinet. Ne l'écoutez pas. Vous savez, ça lui arrive de dire n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi. Magali, c'est un prénom unique. Marc, ça suffit maintenant. Non, mais j'ai compris. Je sais ce qu'il me reste à faire. Madame Villemarinet. Si on ne veut pas admettre que je m'appelle Magali Villemarinet, toute publicité devient inutile. Dommage. C'était très réussi. T'as vu, elle est complètement folle. En plus, c'est pas grave. Hein. C'est complètement nul, cette histoire de serpillère volante. J'en reviens pas. Marc amoureux de moi. Mais vous êtes vraiment sûres, les filles? Bien sûr qu'on est sûres. Tu as entendu Gérard, il te l'a dit lui-même. Oh oui, mais tout de même, rendre un homme fou comme ça, à ce point-là, je crois que ça m'était jamais arrivé. Tu sais, t'es dans la force de l'âge, et puis c'est le moment où on fait le plus de ravages. Ici, c'est écrit dans tous les magazines. Ouais, d'accord. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on peut tomber amoureux fou de quelqu'un qu'on a mis au placard. Mais t'es pas au placard, tu es directrice de la prospective. Mais c'est un placard, je vous dis. Tu sais, lui, il le sait pas. Enfin, je veux dire... Oui, mais bon, quand il va le savoir, il va me regarder différemment. Puis verra tous mes kilos en trop. Oh non, Fanny, tu vas pas recommencer. T'as pas de kilos en trop, tu es superbe. Et puis ça sonne bien, directrice de la prospective. Oui. Oui, ça sonne bien, mais enfin, c'est vraiment tout. Excuse-nous, on a quelque chose sur le feu. Décidément, tu en rates pas une, toi. Elle commençait juste à aller mieux. Ah ben excuse-moi, j'ai pas fait exprès, puis de toute manière... Quoi? Qu'est-ce que tu crois? Ça va pas durer longtemps, notre truc. Dès qu'elle va avoir Marc, ça sera fichu. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles voir Marc pour lui expliquer. Pour lui expliquer quoi? Ben tout, la déprime de Fanny. Est-ce qu'on a été obligé de lui raconter pour lui remonter le moral? Attends, tu veux que je dise à Marc qu'on a raconté à Fanny qu'il est amoureux d'elle? Tu vois une autre solution? Eh ben non. Alors vas-y. Mais pourquoi moi? Il me colle suffisamment, c'est comme ça. Justement, c'est toi qui l'écouteras le plus. Tu parles. Écoute, Magali, si tu veux qu'on sauve Fanny de la déprime, il faut que tu ailles voir Marc. Elle supportera pas un second placard dans la journée. C'est la seule solution. Il faut que tu te dévoues. À mon avis, tu devrais pas faire ça. Hein. Ah bon? Pourquoi? Hein? Tout le monde l'a démoli aujourd'hui, alors pourquoi pas moi? Parce que je suis sûr qu'elle va revenir, la toquer, là. Ah oui, tu crois? Parce que moi, j'ai comme un doute, un véritable doute. T'es vraiment dépassé les limites cette fois. Moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Magali est unique. Magali est unique. Ben, c'est vrai que Magali est unique. Comme pour toi, Cindy est unique. Ne parle pas de Cindy, je te l'ai déjà demandé 10 fois. Ben, ça tombe très bien, moi je voulais te parler de Magali. Ne parle pas de Magali non plus. De qui je parle alors? C'est pas de ma faute, je peux pas m'empêcher de parler de Magali, moi je l'aime. Tu l'aimes? Tu l'aimes, d'accord. Eh ben, qu'est-ce que t'attends, hein? Va la voir et dis-lui. Mais j'y pense à lui dire, figure-toi. Et je t'ai pas attendu pour y penser. Eh ben, arrête d'y penser. Et pour une fois, comporte-toi en homme. Et va lui dire. Comporte-toi en homme? Ça veut dire quoi, ça? Que je suis un gosse? C'est ça? C'est ça que tu penses de moi? Exactement. Alors écoute, Daniel, c'est pas parce que très temporairement tu me rends service qu'il faut croire n'importe quoi. Hein. Moi, les filles, elles me font pas peur. Et Magali, encore moins que les autres. J'y vais quand je veux, moi. Mais qu'est-ce que t'attends? Va lui dire. Là, j'y vais. Je suis parti. Va pas rester là aussi.
Je prends mon temps, moi. Daniel, il a raison, ça va pas être très compliqué. Je sonne à la porte, elle ouvre. Bon, elle me voit déjà, elle est contente. Et là, je lui dis, Magali, je vous aime. Elle, elle me tombe dans les bras, et après, il faut que j'assure. Ah, vas-y, Marc, un peu de courage. Allez, Magali, je vous aime. 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 Oh. Oh, Fanny. Fanny. Bon, bête. On avait presque réussi. Ah, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Bah, il fallait surtout trouver quelque chose très vite, parce que bah, ça n'a pas marché, tant pis. Hein. Marquez, c'est bête. Hein. Parce que moi, pour vous faire plaisir, j'aurais pu dire que j'aime les blondes pulpeuses, même si je préfère les grandes brunes avec une petite poitrine. Tu vois, il fallait aller lui demander tout de suite. Oh bah ça y est, ça va être de ma faute maintenant. Il y a quand même quelque chose qui me turlupine. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle s'évanouisse comme ça? Ah bah juste bonjour, hein, c'est tout. Ah c'est tout? Ah ouais, bonjour, c'est tout. C'est tout. C'est bizarre. T'aurais peut-être pas dû la laisser partir comme ça toute seule. Ah bah tu la connais, hein. Elle nous a dit, hop, je vais donner ma démission avant qu'il me vire. Tu crois qu'on pouvait l'empêcher? Ouais, non, c'est vrai, t'es-tu comme elle est. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est long. Ouais, elle devrait être là maintenant. Eh, surtout que donner sa démission, ça va plus vite qu'un entretien d'embauche, hein. Ah, salut. Alors? Alors? Super. Quoi super? T'as donné ta démission? Oui. Je suis arrivée, j'ai demandé à voir le patron. La vieille fille qui lui tient lieu de secrétaire a essayé de jouer les chiens de garde, alors je l'ai envoyée promener. Et là, je suis entrée dans le bureau. Ils étaient au moins 12 en grande réunion. Et alors? Alors, j'ai dit à mon patron que je n'en avais rien à faire d'un placard doré et je lui ai simplement balancé mon carton à dessin dans la figure. Enfin, dans l'œil, plus exactement. Et alors? Bah alors il a hurlé, le pauvre il est douillet. Enfin là où ça devient drôle, c'est qu'en tombant, mon carton s'est ouvert, les clients qui étaient là m'ont galamment aidé à ramasser, et ils ont trouvé mes dessins géniaux. Et alors? Alors je suis plus au placard, j'ai même un super grand bureau. Oh là 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 là, quelle journée. Et en plus, vous quoi? Savez quoi? Non, quoi? J'ai croisé Daniel dans l'ascenseur. Lui aussi a passé une très mauvaise journée. Il nous invite toutes les trois à dîner ce soir pour nous changer les idées.